Merci mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. On va même maman. Ah, maman va l'aider à que ça c'est bien. Allez, on attend le bon Seigneur. On attend le bon Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas venir à la présence de Dieu quand tu te lèves. Alléluia. Quand tu viens à la présence de Dieu, tu dois être guéri. Il dit, Dieu, il dit que quoi? Il a envoyé sa parole et sa parole a fini par guérir son peuple. Alléluia. Amen. Et ma parole n'est jamais tombée sans avoir accompli, sans avoir fait ce pourquoi elle est descendue. Amen. Amen. Donc ce matin, la parole de Dieu est ici. Alléluia. On a quand même fait fort pour la parole de Dieu. On a quand même fait pour la parole de Dieu. On a quand même fait pour la parole de Dieu. On a quand même fait fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé Saint-Antoine, il bouge. Alléluia. Moi, je n'aime pas voir les gens qui sont crispés sur leurs places comme si on était dans les religions d'autrefois. Alléluia. Où on était condamné à ce que tu ne peux même pas parler, tu ne peux pas pousser, tu ne peux pas bouger. Non, okay, nous sommes libres en Christ. Alléluia. Nous sommes libres. Alléluia. Donc, ce que nous allons faire maintenant, bien-aimé, tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu vas commencer à dire au Seigneur merci ce matin. Alléluia. Lui qui t'a accordé la grâce. Alléluia. De te lever sur le lit. Bien-aimé, ce n'est pas ton argent. Bien-aimé, ce n'est pas la gloire. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est lui
servi Jésus, alléluia. Yoshua et Amashia, Yoshua et Amashia. Lève, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir son Seigneur. Oh Seigneur, éternel, mon Dieu, mon papa, c'est matin, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon papa, c'est Seigneur. Nous te bénissons, El Shaddai, nous vis, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te disons grandement merci. Pour la gloire de ton Saint nom dans nos vies. Elohim, nous te disons merci. El Shaddai, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Eni, nous te disons merci. Abba Père, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Nous te disons grandement merci, Seigneur Jésus. Toi, le Saint d'Israël. Toi, le Saint d'Israël. Toi, le grand roi de gloire. Nous te disons grandement merci, Seigneur Jésus. Nous te disons grandement merci, Éternel des armées. Nous te disons grandement merci, Adonai. Nous te disons grandement merci, Elohim. Nous te disons grandement merci, El Shaddai. Nous te disons grandement merci. Nous te disons grandement merci, Jésus. Nous te disons grandement merci, Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, personne n'a le titre foncé sur la terre. Moi, mon titre foncé sur le ciel. Je vois des gens qui ont cimenté. Ils ont signé le site foncé là sur les 2 mètres carrés, 2 carreaux ne sortent pas de là. Si je donne encore le sujet de Dieu, te vois dans ton titre foncé là. Toi-même, tu vas confirmer. Alléluia. Amen. On pousse là. Alléluia. Amen. On tourne, on pousse. Amen. Chacun, on pousse, on prie, on prie, on secoue. Alléluia. Amen. On pousse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants? Acclame-toi, toi, le Seigneur. Oui. Amen. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci Jésus, merci. Tu m'as donné une vie, je te dis merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci. Je vais te donner, mais je te dis merci. Merci Jésus, merci. Amen. On a dit que je vais te donner, je le sais. Parce que, voilà, on ne dit pas que je n'ai rien à donner à Dieu. Alléluia. On dit, je te le donne de tout mon cœur. Hein? Alléluia. Mais attendez, chante un peu. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Je te le donne de tout mon cœur. Ah, tu m'as tout donné. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Je te donne de tout mon cœur. Ah, tu m'as tout donné. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Je te donne tout mon cœur, car tu m'as tout donné. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Je te donne tout mon cœur, car tu m'as tout donné. Merci Jésus, merci. Amen. 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 Si Jésus t'a tout donné, acclame très fort. Gloire à Jésus. Gloire à la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à la parole. Amen. Gloire à celui qui est. Amen. Gloire à celui qui vient. Amen. Gloire à l'éternel. Amen. Gloire à la vie. 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 Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. 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 N'oublie pas. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant demander au Seigneur. Nous allons encore dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pourquoi? Parce que hier, nous étions esclaves du péché. Hier, nous étions esclaves de la sorcellerie.
Yes, nous étions esclaves de l'adultère, la fornication, du mensonge, du commosa et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Le roi éternel, le Tout-Puissant, nous a libérés. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Adonai, de ce que tu as donné le souffle de vie, de ce que chaque jour tu accordes une belle chance et tu me mets ta confiance. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Adonai. Même si je vous quitte ma tête. Au nom puissant de Jésus. Le jaloux, sinon, même si tu étais malade, comment la maladie sort. Alléluia. Amen. La maladie vient jaloux que même. Tu prononces sa foi comme ça. Moi, dans ce que Dieu me tue, il sort pas. J'ai ça que tu es libéré. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Nous allons continuer à intercéder. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement prier maintenant. Alléluia. Amen. Nous allons prosterner devant l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur. Alléluia. Amen. De nous pardonner de nos péchés. Alléluia. Amen. Et pour que tu sois pardonné, bien-aimé, il faut que tu puisses confesser ton péché. Alléluia. Amen. Parle à l'Éternel, le roi des armées, celui qui écoute tous les problèmes du cœur, même la moindre lumière, il parle à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Même les médecins ne peuvent pas arriver là où il parle. Donc, bien-aimé, tu mets une position. Bien-aimé dans le Seigneur. Et demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur. Parle au Seigneur. Confesse ton péché. Confesse ton iniquité. Oh Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te saluons, nous te magnifions. Nous te disons, Seigneur, qu'elle est mon Dieu, mon roi. Que ton œil brûle, que ton œil puissant, que ton œil magnifique. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, les mauvaises pensées, les pensées de moi. Papa, j'ai fait des choses pour nous. Seigneur, je te veux. Je te demande pardon, Père, je te demande pardon, Seigneur.
Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon de n'avoir pas toujours été à l'écoute, Seigneur, de tes instructions. Je te demande pardon, Seigneur. Chaque fois où j'ai fait quelque chose qui était dépassé et qui ne te glorifiait pas, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Que je te prie de changer mon cœur. Brise-moi, Seigneur, je te demande pardon pour le monde. Je te supplie, Seigneur, je manque d'amour, je manque de travail et d'obéissance, de soumission. Je te demande pardon pour ça, éternel des âmes. Je te demande pardon, Père, car mon cœur manque d'amour, car mon cœur manque de soumission, car mon cœur manque de céder. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes ces choses. Je t'en supplie. Élohim, pardonne-moi. Adonai, pardonne-moi. El Shaddai, pardonne-moi. Eli, pardonne-moi. Tout-puissant Dieu, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons demander pardon pour toute l'assemblée. Alléluia. Il y a des gens là qui sont là. On demande demander pardon. Il ne veut pas nommer son véritable péché. Donc nous allons demander pardon. Parce que si l'atmosphère du pardon n'est pas au milieu de nous, même la présence de Dieu sera difficile. Alléluia. Pour que nous puissions la ressentir. Demandons donc pardon encore pour nos bien-aimés frères et sœurs. Là présentement. Et ceux qui vont venir même en retard. Nous allons prier que le Seigneur aussi les pardonne. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Elohim Adonai, Eli El Shaddai. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché. Pour le péché parmi nous, Seigneur. Pour le mensonge, Seigneur. Pour le vol, pour la magie, pour l'idolâtrie. Seigneur, pour les pensées impudiques, les pensées impures, les pensées abominables. Seigneur, du fait que nous n'ayons pas encore renoncé à nous-mêmes. Du fait que nous accordons encore beaucoup d'importance dans l'assemblée. Seigneur, nous te demandons pardon. Aie pitié de cette assemblée. Aie pitié de toutes les personnes qui viennent à cette assemblée. Seigneur, nombreux, nous n'avons pas encore renoncé à nous-mêmes. Nous nous glorifions encore nous-mêmes. Nous glorifions encore notre propre corps, Seigneur. Nous te demandons pardon à ton âme. Aie Shaddai et Eli. Aie pitié de nous. Car nous allons encore vers les penchants de notre cœur charnel. Et non pas vers, Seigneur, les penchants spirituels. Donc tu nous fais grâce. Nous te demandons pardon. Même pour ceux qui arrivent en retard, Seigneur, aie pitié et pardonne-nous. Nous allons demander pardon pour les retards à la terre, alléluia. Bien-aimés, l'Éternel n'aime pas le pardon. On a vu dimanche passé comment le Seigneur a blâmé Tony qui ne veut pas cesser l'esprit du retard. Quand vous fixez une heure, il dit que ce n'est pas lui qui a fixé l'heure, mais c'est vous-même. Quand vous fixez cette heure, vous devez la respecter. Alléluia. Oui, c'est ce que l'Éternel dit. Vous devez la respecter. Regardez, quand vous allez là-bas au travail du monde, si le travail commence à 7 heures, tu es là-bas même avant 7 heures à cause de l'argent. Pourtant, on est dit qu'il faut quitter tout ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les injures même de ce monde. Alléluia. Amen. Mais tu ne veux pas les insultes de ton patron. Tu ne veux pas la mise à pied. Tu vas à l'heure, mais à la maison de Dieu, tu viens en retard. Pourquoi fais-tu le budget à la négligence? Donc, prions pour nos bien-aimés frères qui sont en retard ce matin. Toi, tu viens en retard. Prie aussi. Demande au Seigneur de parler de ton retard. Éternel des armées, Père, je te demande pardon pour le retard de chacun de nos bien-aimés. Je t'en supplie, aie pitié, Seigneur Jésus. Par rapport à cette histoire de retard, aie pitié. Aie pitié, éternel. Pardonne chacun d'entre nous, éternel des armées, pour le retard dans ton œuvre, pour le retard dans toutes les activités qui concernent ton œuvre. Père, aie pitié de nous. Elohim, aie pitié de nous. Eli, aie pitié de nous. El Shaddai, aie pitié de nous. Adonai, aie pitié de nous, Seigneur. Nous te demandons sincèrement pardon. Nous te demandons sincèrement pardon. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Elohim, aie pitié de nous. Adonai, aie pitié de nous. Pardon tous les bien-aimés, même ceux qui ne sont pas encore là. Même ceux qui sont absents. Aie pitié, pardonne-leur. Aie pitié, pardonne-leur. Aie pitié, pardonne-leur. Aie pitié, papa, et pardonne-leur. Aie pitié, El Shaddai, et pardonne-leur. Eli, Adonai, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, pardonne-leur. Amen. Jésus, amen. Amen. Et nous nous allons encore demander pardon, bien-aimé. Certainement, tu avais le moment à faire à ton frère. Tu l'as vu dans la souffrance, tu n'as pas pris le temps de penser à lui. Certainement, tu as parlé dans ton cœur de faire quelque chose pour ton bien-aimé.
Certainement, tu as entendu parler par de ton frère. Tu peux aussi lui dire, tu as parlé. Bien aimé. La parole de Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Oui, que nous devons même perdre bien aux païens. Si nous devons perdre bien aux païens, nous devons faire entre nous les frères. Donc, bien aimé, je veux que tu pries, que tu m'aimes, Seigneur, pardon encore. Parce que tu n'as pas donné de l'amour à ton frère. Tu n'as pas donné de l'amour à ton frère. Bien aimé, nous prions au nom de Jésus. Père, nous te demandons pardon. À chaque fois que tu as parlé dans nos cœurs, Seigneur, pour faire de nous mal à nos frères, pour aider nos bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, tu nous as parlé à plusieurs reprises. Mais nous avons fait le cœur dur. Nous avons fait la tête dure. Nous avons été têtus. Elohim, nous te demandons pardon. Adonai, nous te demandons pardon. El Shaddai, nous te demandons pardon. À chaque fois, nous aurions pu aider un frère ou une sœur en détresse. Et que nous nous sommes abstenus. Seigneur Jésus-Christ, à cause de notre égoïsme, Père, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Éternel des armées. Aie pitié de nous, Élie. Aie pitié de nous, Adonai. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa, s'il te plaît. Pardonne-nous, ô Père. Pardonne-nous, Seigneur. A Golgotha, le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, à Golgotha, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Manuel, le sang de Manuel a coulé à Golgotha. Le sang de Manuel a coulé pour nos péchés. Le sang de Loïc, le sang de Loïc a coulé. Coulé pour mes péchés, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau a coulé à Golgotha, le sang de l'agneau a coulé pour mes péchés, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Père, déverse ton sang. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Elohim. Déverse ton sang, Adonai. Déverse ton sang, Élie. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Élie. Déverse ton sang, oh Dieu. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi, le premier et le dernier. Déverse ton sang. 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 Et lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Elohim. Lave-nous par ton sang, El Shaddai. Lave-nous par ton sang, Adonai. Lave-nous par ton sang, Elohim. Lave-nous par ton sang. Déverse ton sang, Papa. Et lave-nous de tous nos péchés. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Papa. Déverse ton sang, Elohim. Déverse ton sang, Adonai. Déverse ton sang, Eli. Déverse ton sang, El Shaddai. Déverse ton sang, toi l'alpha et l'oméga. Déverse ton sang dans le pays du dernier. Déverse ton sang. 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 Au nom puissant de bien-aimé, c'est un moment fort. Alléluia. Amen. La manière dont tu fais ta repentance va permettre aussi ta connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever tous ensemble. Alléluia. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas.
Regardez, on a une semaine pour faire nos choses. Basta nos occupations. Quand c'est notre travail, nous allons aussi être malades. Nous allons au travail. Parce qu'on a peur de soir à moyen. Amen. Celui qui ne sera pas prêt à perdre son travail sur la terre, alléluia, ne sera pas digne du royaume des cieux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi, tu es prêt à perdre ton travail, perdre tes enfants, perdre ton mari, perdre ta santé, perdre tout ce que tu as, alléluia, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si tu es fatigué, meurs ici à l'église, on va te ressusciter, alléluia. Tu tombes ici, tu vas ressusciter. Il y a des maladies qui devaient te tuer aujourd'hui. En venant aujourd'hui ici-là, quand tu vas prier fort, tu vas tomber, tu vas mourir. Et nous, on va déclarer que tu ressusciteras aujourd'hui. Et quand tu seras ressuscité, là, amen, amen, tu seras guéri pour toujours. Amen. Guéri aujourd'hui, guéri demain, guéri éternellement. On attend bien pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand bien regarde le ciel, nous allons continuer à prier. J'ai dit qu'il n'y a pas de titre comme ci. Il n'y a pas de titre comme ci. Amen. Amen. Nous n'avons rien ici, parce que. Donc ne viens pas siéger sur ta place ici, là, sur la terre. Amen. Amen. Nous marchons. Nous prions les uns les autres, on sent la vie, on tient ce corps que Dieu ne dit que je suis fatigué, jamais. Dans la présence de Jésus là, je ne suis pas fatigué. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant que nous avons créé l'atmosphère de la présence de Dieu, alléluia, qui est la repentance, la confession de nos péchés, le sang de Jésus, l'aspersion du sang de Jésus nous a purifié dans la vie. Amen. Nous allons maintenant demander, amen, amen, que la sainte présence de Jésus-Christ, dès qu'il était déjà là depuis, alléluia, que sa sainte présence dans la plénitude, alléluia, de sa personnalité, dont le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Pas pour dire que trois personnes, amen. Lui-même qui est le Père, lui-même qui est le Fils, lui-même qui est l'Esprit, qui vient dans la plénitude de sa personne, alléluia. Amen. Afin qu'il puisse t'aider sur toute ta personne. Que nous allons demander au Seigneur de le supplier, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, nous implorons ta présence. Nous savons que tu es réel, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Du nom de Seigneur, Père, nous prions dans ta présence, éternel, mon Dieu, mon roi. Du ciel, mon Dieu, ta présence, chantez les titres de Dieu, ta présence, comme tu fonces là, tu vas rester là genoux jusqu'à la fin du culte. Parce que, amen, amen, tu vas rester à genoux jusqu'à la fin du culte. Tu connais combien de gens qui sont allés tu fonces. Tu n'as rien amené ça, non. Quand tu venais ici là, amen, amen, si tu as nous amené une chaise, est-ce que la chaise là t'appartient encore? Non. Elle appartient à qui? Amen. Donc personne n'a cimenté une place ici. Amen. Personne. Amen. Si quelqu'un veut te tuer pas passer, tu dis laisse-moi passer, non, moi je paye, laisse-moi passer. Tu le bouscules. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc alors quand tu as prié, amen, nous allons demander au Seigneur encore une fois de plus ce matin, alléluia, qu'il vienne, alléluia, avec l'esprit de la sagesse, alléluia, amen, l'esprit de la puissance, alléluia, amen, l'esprit de la révélation, alléluia, amen, qu'il vienne à la plénitude de son esprit, alléluia, amen, afin qu'il puisse distribuer au milieu de nous ce matin des dons, alléluia, amen, en abondance, alléluia, amen, et il nous donne aussi le caractère de Jésus-Christ, alléluia, amen, à travers toutes les articulations du culte, nous prions. Au nom puissant de Jésus. Mon Père éternel, mon Dieu, mon âme, ma sœur, nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon âme, ma sœur. Je suis la puissance.
Ça c'est bon, alléluia. Vous allez vivre comme ça tous les dimanches, amen. Amen. Quand vous allez à Bassam, bien aimé, à un moment, parfois même, si tu avais cimenté une place, quand tu es assis quelque part, non. Quand on commence à louer, chanter là, tout à la fin là, tu peux plus t'asseoir là-bas. Parce que, comme les gens rentrent dans les places, mon frère, la première place, il s'assoit. Il n'y a pas de titre foncé. Amen. Amen. Nous, on allait à l'église de. On allait à la cathédrale de Yamoussoukro. L'une des plus grandes cathédrales au monde. Ça dépasse le Vatican. La basilique. La basilique. Elle dépasse le Vatican. À Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Je vous assure. C'est la plus grande basilique catholique. On a dû vous faire la visite. Frère, on a trouvé quelque chose qui nous a intrigué dans l'église de Jésus-Christ. Il y a un place où le président au Feu de Boyer est venu s'asseoir. Depuis que le Feu de Boyer est mort, on est venu à sceller la place là. On a écrit là-bas, on a mis les boulons, on a mis une plaque à nord, on a écrit place de président au Fouet Voigny. C'est resté là. Personne. Donc personne ne s'assoit là-bas. Donc pendant le culte, même si la salle est pleine, il faut une chaise pour quelqu'un, l'autre là reste vide. Vous-même, dites-moi, ce n'est pas l'esprit de moi de Fouet Voigny qui s'assoit là-bas. Hein? T'as vu, tous les jours qu'on se laisse là-bas, lui vient là, non? L'esprit de mort, le démon. Qui a incarné au Feu Boyer s'assoit là-bas. Vrai ou faux? Dans l'église, frère, l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas une place cimentée. Il n'y a pas une place cimentée. C'est pourquoi quand je regarde les vidéos là, si je constate là les vidéos là, toi tu es toujours assis à la même place là. Je vais t'appeler au téléphone. Je vais te dire, tu es venu cimenter la place à l'église. Amen. Amen. Même les serviteurs de Dieu, vous l'avez dit ce matin, moi je suis assis. Je suis assis ici. Normalement, moi je veux notre Dieu, je vais être assis là-bas. Mais je suis assis ici. Amen. Amen. Le premier serviteur a venu s'asseoir, il a venu s'asseoir. Et dimanche prochain, tu changes aussi de place. Il n'y a pas de place cimentée à la maison de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Les gens refusent toujours de remplir les places devant chaque fois. Et quelqu'un arrive, il s'assoit derrière. Oui, quand quelqu'un arrive, il s'assoit derrière, c'est le début, peut-être les consacrer. Mais dès que le culte commence, amen. On vous a expliqué pourquoi vous devez vous asseoir devant, n'est-ce pas? À la fin du culte, au caméra, on va vous faire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc nous allons continuer à prier. Maintenant, il y a quelqu'un là, lui. Amen. Amen. Maman, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un là, lui, il n'aime pas là les enfants de Dieu, c'est la sable. Amen. Amen. Quand les enfants de Dieu, c'est la sable, il vient faire quoi? Il vient aussi au milieu d'eux. Il vient voir comment vous allez te prier aujourd'hui. Hein? Mais on a fait une bonne repentance. Gloire à Jésus. Amen. Il ne peut même pas tenter. Donc la prière qu'on va propager maintenant, lui va confirmer qu'il ne peut même pas passer la route. Amen. Voilà Jésus-Christ. Amen. Mais c'est que j'ai contre l'église, les enfants de Dieu, pas tout pas contre les véritables enfants de Dieu, c'est que quand c'est la prière au nom de Jésus, on prie comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand c'est la prière de Satan, on compte ça. Au feu, au nom de Jésus, on met toute l'énergie. Ça, c'est l'énergie. Amen. Mettons toute l'énergie quand il s'agit de Jésus. Vrai ou faux, maman? Vrai. Maintenant, il s'agit de Satan. Avec mépris. Amen. Quand tu mépris, là, ce n'est pas l'insulter. Satan, la parole de Dieu déclare que c'est le Saint-Esprit qui a agi sur les vues.
Tu ne peux pas entrer. Vos parents maintenant que le feu te consume. Amen. Je n'ai pas dit, je n'ai pas prié avec force. C'est prié avec force, ça n'est pas. Mais quand vous voulez prier aussi pour Dieu, priez encore plus fort pour Dieu. Amen. C'est pas vrai? C'est vrai. On acclame très fort pour le Seigneur Jésus. On va dire maintenant, clamez très fort pour chasser Satan. Mais on va clamer fort. C'est l'esprit là. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Donc, bien, maintenant, on va commencer à prier maintenant. Alléluia. Amen. Jésus a dit, le diable vient. Le fils appelle Jean, bien, mais il n'y a rien de lui à moi. Est-ce que tu es sûr que ce matin, il n'y a rien de lui à toi? Moi, je crois que mon fils n'a rien de lui à moi. Amen. Amen. Même si maintenant, ce matin, il y avait la petite colère qui vient de lui à moi, quand je me suis assis ici pour demander pardon au Seigneur, le Seigneur a enlevé ça. Amen. Amen. On doit tout ça s'aligner chaque jour. Qui n'a rien de lui à nous? Amen. Tu peux avoir quelque chose de lui à toi, tu marches en route, tu te pousses le camion, tu meurs une fois, tu pars en affaire. Bon. Donc tous les jours, marchons, disant à Satan qui n'a rien de toi, à moi. La colère n'y a pas. Le murmure, il n'y a pas. Le commérage, il n'y a pas. Le vol, il n'y a pas. L'adultère, il n'y a pas. Les pensées critiques, il n'y a pas. Les sentiments critiques, il n'y a pas. Tout ça, il n'y a rien de cela à moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus, il n'y a rien de cela. Il n'y a rien de cela en toi. Clame très fort pour le Seigneur. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan. Toi, Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te déclarons. Nous te déclarons. Tes démons et toi. Tes démons et toi. Les sorciers et toi. Les sorciers et toi. Dans cette salle. Dans cette salle. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu ne peux même pas entrer. Tu ne peux même pas entrer. Tu ne peux même pas me fiancer. Tu ne peux même pas me fiancer. Nous déclarons. Nous déclarons. Nous proclamons. Nous proclamons. Maintenant. Maintenant. Ce lieu. Ce lieu. Est le temple. Est le temple. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Pas à cause des quatre murs. Pas à cause des quatre murs. Mais à cause de la présence. Mais à cause de la présence. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Des véritables adorateurs. Des véritables adorateurs. Qui adorent. Qui adorent. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Le roi. Le roi. L'éternel. L'éternel. Le Dieu. Le Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Nous te déclarons. Nous te déclarons. Même si tu avais suivi. Même si tu avais suivi. Quiconque. Quiconque. Jusqu'à ce lieu. Jusqu'à ce lieu. Maintenant. Maintenant. Nous te séparons. Nous te séparons. Nous te séparons. Nous te séparons. Nous déclarons. Nous déclarons. Toi, Satan. Toi, Satan. Qui t'es caché. Qui t'es caché. Dans les champs. Dans les champs. Dans les buissons. Dans les buissons. Pour dire. Pour dire. Et bien voir. Je vais voir. Attends le tour. Attends le tour. Comment je ne peux pas entrer encore dans ton corps. Comment je ne vais pas entrer encore dans ton corps. Maintenant. Maintenant. Satan. Satan. Nous déclarons. Nous déclarons. Cette église. Cette église. Est la maison de Dieu. Est la maison de Dieu. Je commence à déclarer Satan qui n'a pas de place à Dieu. Je t'épouse à la maison de Dieu. Satan, tu n'as rien à faire ici. Au nom du Saint de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. En ce lieu, Père et Seigneur, Satan, tu n'as pas de place. 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 Amen. Amen. Amen.
Je m'assois confortablement, apparemment s'asseoir, nous allons dire merci au Seigneur, c'est moi l'intercession. Amen. Pour le Seigneur, c'est moi l'intercession. Seigneur, nous te remercions. Élie Adonai. Nous te remercions. El Shaddai, Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment d'exposition. Tu nous as permis de partager la sainte gloire. Élie Adonai, nous te disons merci. El Shaddai, Élie, nous te disons merci. Abba Père, nous te disons merci. Seigneur Jésus, merci. Merci Éternel des armées. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Élie. Merci El Shaddai. Merci. Merci Père Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel des armées. Merci. Au nom puissant de Jésus. Nous allons inviter le frère Marc, le docteur Marc, alléluia. Amen. Tu vas invoquer, tu vas commander tous ces moments d'intercession entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons nous disposer. Que tout le monde se dispose, ouvre son cœur pour Jésus Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, grand Dieu, grand roi, papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as été au milieu de nous et que tu as fortifié chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as purifiés, tu nous as lavés, tu nous as nettoyés, tu as enlevé tous les fardeaux avec lesquels nous sommes venus ici ce matin, éternel notre Dieu. Papa, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu as été attentif à nos prières, à cette doléance, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reporté vers toi, Seigneur Jésus, par rapport au retard, Seigneur Jésus-Christ, qui a encore été manifeste, éternel, notre Dieu. Nous t'avons imploré, Seigneur Jésus, et nous savons que tu es juste et bon pour nous pardonner, pour nous purifier. Ainsi, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions, et nous te prions davantage, éternel, notre Dieu, de nous assister, Seigneur Jésus, d'être puissamment assis au milieu de nous, Seigneur Jésus, et de nous conduire, de nous orienter davantage sur tout ce qui se passera en ce lieu. Éternel, notre Dieu, nous te remercions en toutes choses. En ton nom, Père éternel, notre Dieu, nous avons prié. Amen. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui est content ce matin? Amen. Qui est content ce matin? Alléluia. Non, quand les primés voient le mien, même si tu es où, tu vas savoir qu'ils ont trouvé le trésor. Ils vont là. C'est vrai, même pas encore. Creuser, ils ont vraiment vu ça, c'est les abeilles sur l'arbre. Le cri, on a besoin de l'angle, le loin là. Oui, Jésus. Jusqu'à écouter. Amen. Amen. Le cri de joie des vainqueurs. Amen. Amen. Dis le cri de joie. Le cri de joie. Des vainqueurs. Des vainqueurs. Dis le cri de joie. Le cri de joie. Des vainqueurs. Des vainqueurs. Est seulement. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Maintenant. Je prends mon souffle. Je prends mon souffle. J'appelle. Le cri de joie. Le cri de joie. Et je le proclame. Et je le proclame. David est très grand roi. Amen. Amen. Je ne sais pas où. La loi ne glissait pas. Ouais. Mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé au sol. Ah, frère. Mystère des mystères. Mystère des mystères. Amen. Amen. Il est tombé comme peu.
Et sa femme a eu honte. Elle dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Immédiatement, malédiction est tombée sur lui. Boom. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Crée l'atmosphère. Flatte Dieu. Ne regarde pas la porte de ta vie. Ne regarde pas qui que ce soit ici. Amen. Amen. Regarde ton Jésus. Regarde ton Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé. Tu as envie que tu mettes du doigt directement. Quand il danse, non. Tu as l'impression que peut-être moi j'ai le trésor dans les bancos. Mon trésor, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc quand j'entends ça, c'est comme une drogue. Je suis un ancien chambrier qui dormait dans les cimetières. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je finissais de fumer mon lobe, je pouvais chanter toute la journée au cimetière et danser là-bas. Mais maintenant je viens dans Jésus. Le banga le plus puissant au monde. Le banga l'université. Donc le banga, quand tu prends là, on dit qu'Acte chapitre 2. Les gens là, c'était en plein jour. Hein. Et on dit que mais ils sont sous. Mais ils avaient vu que les gens ont soulevé les vins, mais l'autre vin avait dépassé les niveaux. Jésus. Alléluia. Amen. Le vin de Jésus. Moi là, je n'ai pas honte de mon Jésus. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Je sors, je proclame mon Jésus. Je fais tout ce qu'il faut. Alléluia. La folie. Amen. La folie de Jésus. La folie de Jésus. La folie c'est de là Jésus. Qu'on trouve le secret. Qui va m'enchaîner en Jésus? Personne. 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 Ni même mes pensées. Quand je suis dans la présence de mon Dieu. Alléluia. Amen. Je suis libre. Alléluia. Amen. Amen. Pour cela, nous allons rapidement permettre que l'homme de Dieu, Apollos, amen. Amen. Suit le déroulement du culte normalement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous allons chanter. Ma joie, c'est Jésus, sois glorifié, sois glorifié, ô roi des rois, sois glorifié. Jésus, tu es mon à la fois.
Thank you.
Jésus-Christ. Donc pour cela, avant que nous entrions dans le message proprement dit, nous allons lire quelques passages bibliques. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le message. Pour ceux qui... Les mamans des enfants font beaucoup de sacrifices. Beaucoup. On louait là, on faisait tout une dynamique. Maintenant, quand c'est le message, l'ennemi veut commencer. L'ennemi ne peut pas passer ici aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous allons voir quelques petites choses avant d'entrer dans le message. Amen. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 40, verset 8. Dans d'autres versions, c'est le Psaume 40, verset 7. Dans d'autres, c'est le Psaume 40, verset 8. Si c'est le second, c'est le verset 8. Amen. Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Amen. Amen. C'est David qui a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et au verset 7, il va dire, tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as ouvert les oreilles et tu ne m'as demandé ni holocauste ni victime expiatoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc je voudrais rappeler à plusieurs de nous qui venons ici que nous sommes dans une église où l'église n'est pas fondée sur les semences, sur les sacrifices, sur les offrandes, sur ceci, non, amen. Oui, si cette mentalité arrive ici, vraiment, comment, il faut la dénoncer. Gloire à Jésus. Amen. Oui, mais il dit plutôt que, voici, dans le verset 8, il dit plutôt, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Amen. Amen. Écrit pour moi. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 7. Alléluia. Nous allons voir quelque chose encore là-bas. Hébreux chapitre 10, verset 7. Donc nous plaçons quelques jalons afin d'entrer dans le message pour que quand on va entrer, que chacun nous soyons tous d'accord. Hébreux chapitre 10, verset 7. Mm-hmm. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Nous allons remarquer, je viens encore de Dieu, nous allons remarquer quelque chose avec le verset 8 de Psaume 40, alléluia. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Dans le Psaume 40, verset 8, il dit, alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau du livre, il est pour moi. Amen. Amen. Dans le Psaume, il dit, je viens avec le rouleau du livre, et il est pour moi. Le rouleau du livre est pour moi. Amen. Amen. Mais dans le Hébreu, quand l'écrivain de Hébreu, inspiré par le Saint-Esprit, va maintenant percer le mystère caché derrière. Amen. Le Psaume chapitre 8, il va maintenant dire que voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de moi. Question de moi, moi, c'est une personnalité précise. Alléluia. Une personnalité bien précise. Amen. Qu'est-ce qu'on trouve dans le rouleau du livre? Les Écritures. Amen. Et le rouleau du livre, on a passé le temps, on peut voir dans Luc chapitre 4, verset 18, alléluia. Quelqu'un peut lire rapidement Luc chapitre 4, verset 18. Luc second, bon, moi, on lit n'importe quelle version, je n'ai pas de soucis. C'est le premier à prendre, oui. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Lorsqu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance, oui. Et aux aveugles le retrouvement de la vue, oui. Pour renvoyer libres les opprimés, oui. Continue. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre. Il roula quoi? Le livre. Il a dit, je viens avec le rouleau du livre. Amen. Il est pour moi. Amen. Maintenant, dans Hébreu, on dit que je viens avec le rouleau du livre. Il est question de moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, on a remis à Jésus le rouleau du livre d'Ésaïe. Amen. Et quand il a ouvert la partie, là, il a été écrit tout ce que nous venons de lire. Amen. Il est venu proclamer une année, il est venu faire ceci, il est venu faire cela, il est venu faire tout ce qu'on venait de citer là maintenant. Amen. Quand il a fini de lire le rouleau, il a roulé le livre et il dit que cette parole-là me concerne. Alléluia. Me concerne. Donc bien aimé là le Seigneur, dans la Bible, alléluia, gloire à Jésus. La Bible est un livre comme tout le reste des livres. Amen. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un à l'intérieur. Amen. Qui est cette personne? Jésus. La Bible, la Bible est un livre. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a la parole de Dieu. Et parce qu'il y a la parole de Dieu dans la Bible, qui est la parole de Dieu? Jean chapitre 1. Amen. Jean chapitre 1 nous dit que au commencement était la parole. Amen. Amen. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alléluia. Avec elle, toute chose a été faite, sans elle, rien, et tout ce qui a été fait n'a été fait. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par la parole. Et nous voyons ici maintenant que la parole est dans le livre. Amen. Et dans le livre, le rouleau du livre, il est question de la parole. Et qui est cette parole? Alléluia. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que si tu écoutes la parole aujourd'hui, amen, et que tu refuses la parole, tu as refusé Jésus-Christ. Amen. Les gens croient en Jésus, ils voient Jésus sur un être humain. Quand Jésus est venu, il avait 33 ans, peut-être 32 ans, 33 ans d'année, il a dit aux Juifs, aux Pharisiens, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Amen. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Et on nous dit dans Hébreux 7, 8, Hébreux 5, 6, 7, 8, on nous fait comprendre que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Alléluia. Et on nous fait comprendre que par cet acte, il est devenu même le sacrificateur à perpétuité. Alléluia. On nous dit qu'il est le Melchisédek, chez qui Abraham avait payé sa dîme. Ça veut dire que Abraham lui-même, alléluia, avait déjà rencontré Jésus. Mais comment se fait-il que Jésus, que moi je dois adorer, est le Jésus qui a 33 ans, est le Jésus, alléluia, qui est né de le ventre d'une femme, alléluia. C'est pas ce Jésus-là que nous on adore. C'est vrai, il est venu dans la chair. Et dans la chair, dans le rouleau du livre, alléluia, il est question de lui, alléluia. Et dans la chair, qui n'est qu'un matériel, le rouleau, alléluia, le rouleau qui périt. Amen. Si on prend une Bible, on jette au feu, ça brûle, vraiment faux. Mais la parole de Dieu qui est à l'intérieur reste et demeure éternellement. Alors dans ce rouleau, alléluia, qui était le corps, amen, il y avait Jésus-Christ, la parole à l'intérieur. C'est pourquoi quand les Juifs ont détruit ce rouleau, alléluia, la parole a repris vie. Amen. Amen. Et quand la parole a repris vie, elle s'est présente. On pose quelques fondements, amen. Quand on va entrer dans le message, que ça tape très fort, que tu puisses supporter. Gloire à Jésus. Pour que tu puisses avoir une chrétienne victorieuse. Sur le chemin d'Emmaüs, amen. On connaît bien l'histoire. Jésus-Christ a rencontré deux serviteurs de Dieu, amen. Et il s'est mis à parler avec eux. Ils ont commencé à relater l'histoire. Comment Jésus venait d'être crucifié à Jérusalem, à Nazareth. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Jésus venait à Jérusalem, bien sûr. Ils ont raconté tout. Et on dit que Jésus a commencé à les expliquer. Alléluia. Amen. L'homme qui marchait a commencé à les expliquer. C'est des gens qui connaissaient bien Jésus. Le Jésus de 33 ans. Ils le connaissaient. C'est eux qui marchaient avec lui tous les jours. Ce sont eux qui sont allés l'accompagner au tombeau. Alléluia. Ils le connaissaient. Et maintenant, on dit qu'à un moment donné, Jésus-Christ, la parole, après qu'il a parlé à plusieurs reprises,
Il les a ouvert l'intelligence pour qu'ils reconnaissent qui lui il est. Amen. Et en ce moment, quand ils ont reconnu donc maintenant que c'est effectivement lui Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, dès le commencement que nous avons commencé à parler avec lui, nous avons commencé à entendre les paroles de la vie. Alléluia. Les paroles dont il disait, on se disait à nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas lui-même Jésus? Alléluia. Donc ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais pourtant Jésus est avec eux. Mais quand il les a ouvert l'intelligence, le rouleau, alléluia, celui dont il est question dans le rouleau, quand il les a ouvert l'intelligence, ils ont reconnu immédiatement Jésus. Si c'était le Jésus de 3 ans, amen, il l'aurait reconnu effectivement. Mais pourquoi l'ont-ils pas reconnu? Alléluia. Il était déjà dans une dimension appelée ancien de jour. Celui qui était dès le commencement jusqu'à la fin. Qui est appelé la parole. Alléluia. La parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si les gens sont prisonniers dans des églises aujourd'hui, comme les églises catholiques, toutes ces églises en fait, où les gens sont prisonniers aujourd'hui, c'est parce que même dans les églises pentecôtistes, ils cherchent un Jésus physique. Ils adorent un Jésus physique qui a marché dans Nazareth, qui a fait ceci. Pourtant, le Jésus que nous, on adore, il est question de lui dans le rouleau du livre. C'est lui qui est dans le rouleau du livre. Son nom, c'est la parole. On attend très fort. Jésus. Alléluia. Son nom, c'est qui? Jésus. Son V. Okay. La parole. Amen, amen. Alléluia. Apocalypse 19, verset 13. Commencez à partir du verset... Apocalypse 19, 13, commençons à partir verset 11. 11, 12, 13. Amen. Apocalypse 19, verset 11. Oui, 11, oui. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Ah! Celui qui le montait s'appelait comment? Fidèle et véritable. On parle de qui? Jésus. Amen. Continue. Et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec quoi? Justice. Continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand le Saint-Esprit Jésus soit envahi de quoi? Il dit, je suis Jésus de Nazareth, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui juge et combat avec justice. Alléluia. Continue. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Amen. Amen. Le monde ne peut pas le connaître. Gloire à Jésus. Mais nous le connaissons. Amen. Quand tu personne, c'est l'homme physique. Personne, moi, toi, c'est l'homme physique. Mais quand l'homme physique est mort au baptême, alléluia. Si je dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui maintenant qui est né en Christ, amen, parce qu'il est né en Christ et que Christ vit en lui, Christ le révèle son nom. Alléluia. Christ le révèle son nom. Nous allons donc voir ce nom qui était écrit. Donc, personne ne connaît si ce n'est lui-même Christ. Et parce que Christ est en nous, nous connaissons le nom de Christ. Continue. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, pas de qui? Christ. De Jésus, amen, continue. Son nom est la parole de Dieu. On acclame très fort. Amen. Alléluia. Amen. Son nom est quoi? La parole de Dieu. Bon, si on vous demande, quel est le nom de Jésus? La parole. Quel est le nom du Fils de Dieu? La parole. Alléluia. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Quand il dit que en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. C'est par la parole que nous allons chasser les démons. Alléluia. Amen. Et dans le nom de Jésus, il y a la parole. Parce que lui, il a été digne, l'agneau, d'être immolé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On est d'accord ici là que Jésus-Christ est la parole. Amen. 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 Ça veut dire que tout ce qu'on va entendre aujourd'hui dans la parole, si tu refuses ça, ça veut dire que tu as refusé Jésus-Christ. Vrai ou faux? Celui qui refuse la parole, celui qui refuse la parole, il a refusé Jésus, vrai ou faux? On vient d'entendre, non? Que Jésus, son nom, c'est la parole. Jésus, c'est de lui qu'il est question dans le rouleau du livre. Est-ce que vous savez que Israël, toutefois, qu'il voulait lire le rouleau du livre, il devait d'abord sanctifier le rouleau du livre?
Amen. Mais pourtant, Jésus-Christ est saint éternellement. Pourquoi il est sanctifié le rouleau du livre? Amen. Parce que le livre en lui-même est souillé. C'est une œuvre d'homme, faite de mains d'homme. Mais la parole est éternelle. Alléluia. Mais quand Christ, lui, il est venu, il n'a pas eu besoin de sanctifier le rouleau du livre. Parce qu'il est le saint éternel. Amen. Amen. Il est le saint éternel. Ça veut dire que celui qui a vu Christ, il a vu le saint d'Israël. Celui qui a vu la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui lui est parlé. Voilà pourquoi nous encourageons les chrétiens à lire leur Bible. Vous ne verrez jamais un Jésus, alléluia, en dehors de sa parole. Gloire à Jésus. Amen. En dehors. Quand tu lis la parole, c'est Jésus lui-même qui te parle. Amen. Moi, j'ai eu des expériences avec le Seigneur. Quand je suis en train de lire une parole, j'entends clairement, pendant que je lis, j'entends clairement la voix me parler. Alléluia. Donc, pendant que je lis là, ce n'est plus moi qui lis. Amen. Mais c'est la voix qui me parle. Et quand je regarde ce que j'entends à la voix, c'est ce qui est écrit. Amen. Et par moi, il dit, mon fils, ce que je te dis là, c'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, on a posé ce côté du fondement. Alléluia. On voulait vous présenter simplement ici, premièrement, que Jésus-Christ est la parole. Amen. Amen. Et que si nous refusons la parole, nous avons refusé Jésus. Les gens disent, non, moi je suis en Christ. La parole de Dieu déclare que si tu as reçu Jésus-Christ, tu es sauvé, toi et ta famille. Attention, quel Jésus tu as reçu? Il y a le faux Jésus, il y a le vrai Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir ça, nous allons voir ça un peu plus tard. Il y a le faux, il y a le vrai Jésus. Il y a le vrai Dieu, il y a le faux Dieu. Il y a le vrai Saint-Esprit, il y a le faux Saint-Esprit. Il y a le vrai Amen, il y a le faux Amen. Dans une église, il y a le faux Jésus, il y a le faux Amen. Leur Amen, c'est pour les biens matériels de la terre. Amen. Amen. Mais nous, notre Amen, c'est pour la gloire céleste. Est-ce que tu peux acclamer fort? Amen. Ils disent Amen quand on les promet les choses de la terre. Leur Dieu, lui, leur Dieu terrestre. Leur Jésus est un Jésus terrestre. Amen. Quand il les promet les choses de la terre, leur Amen est grand. Amen. Amen. Mais nous, notre Jésus est éternel. Voilà pourquoi quand lui nous parle des choses de l'éternité, nous nous reconnaissons, nous disons Amen. Amen. Quand on lui parle des choses de la terre, nous sommes inquiets, on n'est pas content. Mais quand il nous parle de l'éternité, mystère caché, que l'homme naturel ne peut pas comprendre, Amen. Amen. Quitter tout ce qu'on aime, perdre tout ça, pour avoir Jésus seul pour bien, l'homme naturel ne peut pas le comprendre. Mais nous, nous disons Amen. Et nous sommes fiers. Gloire à Jésus. Amen. Donc le faux Amen et le faux Amen. Alléluia. Le vrai Jésus et le faux Jésus. Alléluia. Le vrai Dieu et le faux Dieu. Les faux Dieu, le faux Jésus, le faux Amen. Eux, c'est pour les biens de la terre. Le vrai Jésus, le vrai Dieu, le vrai Amen, c'est pour les choses d'en haut. Gloire à Jésus. Si tu es malade, si tu es fatigué, tu te mets debout. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc on a posé quelques jalons. Donc nous allons parler rapidement. Nous allons lire rapidement encore. Nous ne sommes pas dans le message. Hein. On pose les fondements pour que quand on va dans le message, ça soit plus clair. Gloire à Jésus. Nous allons parler rapidement des fondements, quelques fondements. Alléluia. Quelques fondements. Quand on parle des fondements, on voit dans le fondement, on voit qu'on voit la fondation. Amen. La fondation. Il n'y a pas d'évangile en dehors de celui que les apôtres ont prêché. Si quelqu'un venait avec notre évangile en dehors de celui que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème. Amen. Amen. J'avais dit aujourd'hui, les gens vous disent que non, il faut prier comme ça, il faut croire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire cela. Si ce n'est pas suivi de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, ne croyez pas. C'est un faux évangile. Alléluia. Amen. C'est l'évangile de la mort. Amen. C'est l'évangile de la mort. L'évangile de la mort, c'est l'évangile terrestre. L'évangile de la vie, alléluia, c'est l'évangile de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc rapidement, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 6. Ouais, Seigneur, aide-moi. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 6. Amen. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, lève-toi avec un pardon, s'il te plaît, tout pour que ce qu'il soit calme. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 6, c'est ça, non? Oui. Verset 1 à 6. Amen. Regardez, les versets qu'on va lire ici, je ne vais pas trop expliquer. C'est juste pour que les versets seuls expliquent. Au fur et à mesure qu'on va les lire, ça va expliquer tout. Amen. Avant qu'on avance rapidement dans le message.
Hébreux chapitre 6, verset 1 à 6. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Sans poser de nouveau, parce que ce fondement existe déjà. Alléluia. Ce fondement existe déjà. Et quel est ce fondement? C'est celui que Jésus a posé. Le renoncement aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. Mais pas chercher à gagner sa vie sur la terre. Amen. Vas-y, prie Dieu. De la foi en Dieu. Oui. De la doctrine des baptêmes. Oui. De l'imposition des mains. Oui. De la résurrection des morts. Oui. Et du jugement éternel. Amen. Une minute. Tout ça, c'est les choses que. C'est le fondement que Jésus a enseigné. L'apôtre Paul, maintenant, veut avancer à des choses un peu plus solides. Amen. Le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le renoncement. Alléluia. Il dit ça, c'est un fondement qui a été posé par Jésus. On ne renonce pas à ça, on n'abandonne pas. Amen. Mais il faut qu'on avance à quelque chose de plus solide. Continue. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Si Dieu le permet, oui. Mmh. Car il est impossible. Oui. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Qui ont goûté quoi? La bonne parole de Dieu. Qui a quoi appelé aussi là? La sainte doctrine. Alléluia. Amen. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Amen. Qui a aussi appelé la sainte doctrine. Et quoi? Et les puissances du siècle à venir. Oui. Et qui sont tombés. Oui. Soient encore renouvelés. Oui. Et amenés à la repentance. Donc ceux qui ont goûté la sainte doctrine. Amen. Amen. Et la puissance éternelle. Amen. Amen. Et qui sont tombés. Il est impossible pour eux. Amen. Oui. De revenir encore. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas le but de ce corps que je veux partager. Mais faites attention. Amen. Amen. Faites très attention. Bien-aimés, il faut faire très attention. Vous qui connaissez la sainte doctrine aujourd'hui, la bonne parole de Dieu. Amen. Ne blaguez pas votre âme. Mais il y a un problème aujourd'hui. On a commencé cette sainte doctrine. Mais le fondement qu'on va poser aujourd'hui, qu'on va encore éclairer aujourd'hui, on n'a pas reçu ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont abandonné. Ils sont retournés dans leur vomissure. Beaucoup de frères, on a commencé ensemble, c'était au mois de janvier, décembre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vois encore d'autres là-bas. Qui est engagé? Je les vois avec les pantalons encore. Je les vois avec les mèches. Je les vois avec des boucles d'oreilles. C'est pas ça le plus important. Leur cœur aussi s'est corrompu. Ils sont retournés dans le monde. Vous pensez que ceux-là, ils peuvent encore croire un évangile semblable à celui-là? Ils ne croiront plus jamais. Ils vont retourner vers des églises encore. Tipa Life, Full Gospel, tout ça. Dans le but de se consoler, vous dites, n'est-ce pas, l'église, c'est l'église. Mais eux-mêmes étant conscients que là-bas, on n'est pas en train d'enseigner la sainte doctrine. Amen. On n'est pas en train d'enseigner la sainte doctrine. Mais ils vont se consoler de ça tout en espérant que peut-être au dernier jour, amen, et arrivé une fois là-bas, le diable va accélérer les enseignements contre la sainte doctrine. Au point où les yeux ne verront plus jamais la sainte doctrine comme une valeur pour le salut. Amen. Mais leur âme est attachée au chaud de la terre. Gloire à Jésus. Amen. Comme ça se passe actuellement dans toutes ces églises. Et même nous, à la sainte doctrine, si aujourd'hui c'est le fondement, comme le fondement sur le pilier fondamental sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, si cela n'est pas ancré en toi, même si tu viens ici à l'église, tu es un chrétien de la voie large parce que ton cœur est attaché à la vanité du monde, mais ton corps essaie de refléter. Amen. Un chrétien véritable. On appelle ça de l'hypocrisie. Porte ta robe, ton kabangolo, que ça arrive même jusqu'à Emana. Mets ton foulard, bombe ça, ça devient gros comme ça là. Ne mets pas les boucles d'oreilles. Ou un toi le manyanga, ou bien lui les mimes qui sent mauvais là. Si ton cœur a encore un intérêt sur les choses de la terre. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de place dans cette église. Il est bon pour toi d'aller là-bas, gagner ton mari, d'aller là-bas, gagner tes enfants, d'aller là-bas, gagner ta terre, d'aller là-bas,
construis tes maisons, d'aller là-bas, fais tout ce que tu as fait, sachant que pendant 30 ans, tu peux bénéficier de ça sur la terre. Amen. Mais après ta mort, gloire à Jésus, tu es en train de partir où? En enfer. Gloire à Jésus-Christ. Donc on va vivre la vie de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. Pourquoi les enfants la charrient? Ils ne sont pas chauds. Vous n'avez pas l'eau à boire pour donner à ces enfants, les amis. Donnez leur l'eau à boire aussi. Et je vais donner aussi un conseil aux parents. Avant de venir avec les enfants, les deux matins, donnez-leur à manger suffisamment. Amen. C'est important. Beaucoup font l'erreur. Tellement on est pressé, on ne donne pas à manger aux enfants. Et ils ne peuvent pas supporter comme nous. Gloire à Jésus. Ils ne peuvent pas. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Quand les enfants viennent à l'église, généralement, ils n'ont pas mangé le matin. Et ils se mettent à déranger. Amen. Amen. Pas parce qu'il n'y avait pas, mais parce qu'on était pressé. Donc, arrangez-vous à ce que vous vous levez tôt, vous préparez les enfants, vous les donnez à manger. Amen. Amen. Car ils vont culte. La salle est petite. Quand ça comme ça, là, moi-même, ça me perd. Vas-y, homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Architecte, oui. Et un autre bâti dessus. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il continue. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. À savoir, on n'a pas Jésus-Christ parti. À savoir, la sainte doctrine, la bonne parole, ou bien la parole de Dieu qui est Jésus. Christ. Pourquoi les hommes ne disent pas Amen? C'est pas Amen. Alléluia. Amen. 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 On a suivi tout ce verset là. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement en dehors de celui que eux, lui, Paul, les apôtres ont posé. Amen. Amen. Mais si d'autres posaient un autre fondement, amen, amen, ils vont avoir la récompense de leurs œuvres. Donc, plusieurs églises vont prêcher le nom de Jésus. Mais je vous ai expliqué qu'il y a le Jésus charnel de 33 ans. Amen. C'est un Jésus qui était fait de la masse de chair, mais à l'intérieur de lui, comme le rouleau du livre, le vrai Jésus était à l'intérieur. Amen. Amen. Et le Jésus charnel est mort. Le Jésus éternel est vivant, vrai ou faux? Et si les gens affectionnent donc un Jésus charnel, ils vont aimer les choses de la terre. Vous connaissez une église simplement qui adore un faux Jésus, on va voir que les prédications sont centrées sur les choses de la terre. Amen. Mais connaître une église qui adore un vrai Jésus, les prédications sont senties sur les choses d'en haut. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que déclare clairement qu'il n'y a pas d'autre fondement. Amen. En dehors de celui qui est posé, à savoir la sainte doctrine. Gloire à Jésus-Christ. À savoir la bonne parole. Si cette bonne parole n'est pas présentée, alléluia, n'est pas posée, que tout enseignement qui est donné là, toi qui vas dans ces gens d'église, toi qui écoutes, et Paul, il va vous dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu sont hypocrites. Dans les réseaux sociaux, il y a des enfants de Dieu qui viennent ici avec nous, à la sainte doctrine. Ils continuent à écouter, je vais citer les noms, excusez-moi. Ils continuent à écouter Marcelo Dumassi, qui dit que, il y a des enfants, c'est vrai, mais je vais un peu m'exprimer, qui dit qu'un homme peut fêler sa femme, ou une femme peut fêler son mari. Un mari peut prendre sa femme par l'endroit là où on défait. Des choses comme ça là. Il dit que si tout ce qu'on fait sans conviction est un péché. Si tu as la conviction que tu le fais, c'est bon, tu n'as pas péché. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que le lieu conjugal soit exempt de toute souillure. De toute souillure, c'est pas vrai? Ouais. Quand on parle de la souillure du lieu conjugal, c'est le, et maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans Galates chapitre, chapitre 5? On dit, on va pas dire, dans Galates chapitre 5, on va dire les choses semblables et les choses semblables. On dit dehors les lâches, les abominables, les impudiques, les ceci, les cela, et ceux qui commettent des choses semblables. Même la parole de Dieu dit aussi que même la nature elle-même nous enseigne, même chez les animaux, en dehors des animaux pervertis, comme le chien, le porc, le serpent, qu'on a vu faire certaines pratiques comme celle-là. Mais
Je vous assure, vous verrez des animaux comme le chat, des animaux très disciplinés. Premièrement, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes nés, vous n'avez jamais vu un chat s'accoupler. Mais vous voyez tout le jour le chat, la chatte enceinte et le chaton. Bravo. Voilà des animaux disciplinés. Vous verrez les colombes. Un animal très discipliné, fidèle même que son mari, si sa compagne meurt ou son compagnon meurt, il reste fidèle jusqu'à sa mort. La chasteté. Ces animaux-là, on n'a pas vu de telles choses comme ça chez eux. Mais les animaux impudiques, le serpent pratique l'homosexualité. Amen. Le chien, la chauve-souris, le même endroit là où il marche, c'est là qu'il chie, c'est là qu'il fait tout. Et les chauves-souris, si tu vois la chauve-souris dans plein salon la nuit, tu fais comment? Vraiment, tu vas dire combien de sanctifier ta maison pour une quatrième fois. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez donc que quand vous continuez à écouter des prédicateurs comme ceux-là, même s'il a parlé quelque chose de ça, parfois bonne ou bien ceci, cela, c'est que l'émanation de la chair. Dans une même, la Bible dit, la parole de Dieu dit quoi? Une source ne peut pas donner une eau amère et une eau douce. C'est pas possible. Il n'y a que le diable qui essaie de faire ça. La parole de Dieu dit que le diable lui-même se déguise même en ange de lumière. Donc par moi, il porte une robe blanche et par moi, il t'apparaît avec une robe noire. Amen. Amen. Donc ces prédicateurs, ils connaissent. Aujourd'hui même, ils savent que la sainte doctrine est en train de monter pour rassembler l'église de Jésus-Christ, la préparer pour l'enlèvement, marquer de son sceau qui est la véritable parole. Alléluia. Pour que l'église soit enlevée. Eux aussi, ils ont commencé à entrer dans le semblant de la prédication, de la sanctification. Ils vont dire porter les boucles, c'est pas très mauvais, mais il faut pas exagérer. C'est l'exagération qui est mauvaise. Alléluia. Ils vont dire que faire le make-up, maintenant que faire le make-up, il faut qu'on soit belle. Disons, il faut qu'on soit belle. Mais quand tu fais encore ça, trop, tu deviens comme une poquette, tu deviens même comme un cadavre à la morgue. Vous voyez comment il tape. Regarde l'intelligence qu'il a. Il fait quoi? Il projette quelque chose. Il fait semblant. Amen. Mais tout au fond, il est. Après, il dit, vous pouvez mettre juste un peu. Il dit, j'ai vu des femmes mettre des couches à lèvres, ils ont mis. Quand tu les regardes, mais c'est quoi ça? Mettez juste un peu. Juste un peu. Alléluia. Mais beaucoup d'entre vous, vous continuez à suivre ces prédicateurs. Mais vous venez vous asseoir à la scène. Beaucoup. C'est pas vrai? Amen. Amen. Alléluia. Alors, vous m'avez dit, il y a des prédicateurs. Comment tu ne connais pas le nom? Mais tu écoutes sa prédication. Elle est tellement comme celle qu'on prêche ici. On ne te refuse pas de l'écouter. Il va édifier ton âme. Amen. Lui, prêche pour le ciel. Parce que là, tu m'as dit que la pauvreté, être pauvre est une malédiction. Amen. Être pauvre, quoi? Amen. On va d'abord, je vais entrer dans ça pour faire les définitions. Okay. Le fils de l'homme n'a ni maison. Il dit que les renards ont les tanières. Les renards ont quoi? Les tanières. Les renards ont ceci, ont cela. Mais le fils de l'homme n'a pas l'endroit où mettre sa tête. Jésus n'avait pas de maison. Ce n'est pas la pauvreté. Si. Jésus. Amen. On dit qu'il avait une seule robe qu'il mettait sur lui comme ça là. Jusqu'à le moment où on discutait ça au sort, le jour de sa mort. Parce qu'il y avait là, c'est parce que vraiment c'était vraiment une avis sacerdotale. Gloire à Jésus. Amen. La pauvreté est une malédiction. Jésus a eu faim. Il est arrivé, il savait qu'il y avait un figuier devant. Il a couru pour devancer ses disciples. Arrivé à manger rapidement peut-être un ou le dernier fruit qui restait. Quand il est arrivé, bon, c'est une façon de parler, hein? Amen. Pour que ta conscience s'ouvre. Quand il est arrivé, il a regardé en haut, en bas, il n'a rien trouvé. Il était prêt à grimper même. Il a regardé en haut, il n'a rien vu. Immédiatement, à cause de l'excès de famine qu'il avait, il a dit au figuier, toi tu étais censé produire, mais tu n'as pas produit, tu es maudit. Le lendemain, quand il est passé là, le figuier était comment? Séché. Attention, toi qui es chrétien, qui ne produit pas les fruits d'une repentance, porte tes robes comme tu veux. À ton dernier jour, quand tu avais la robe de sanctifié, mais tu vas te retrouver avec les ministres de non-sanctifiés en enfer. C'est là que tu sauras. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus,
n'a pas pu payer son impôt. Moi, ma vie, parfois, on arrive à ma moto à Douala parce qu'elle n'a pas payé l'impôt. Et quelqu'un me dit, homme de Dieu, comment tu n'as pas payé l'impôt? Un homme de Dieu, tu ne payes pas l'impôt. Mon frère, j'ai un grand pasteur apôtre. Tu dis que tu n'as pas. C'est la malédiction. Jésus et ses disciples, tous, ils n'avaient pas l'impôt pour payer. Et quand on est venu l'arrêter, avec ses disciples qui ont payé l'impôt, il a dit à Pierre, tu es un grand pêcheur, va alors le premier poisson que tu pêches. Dieu nous a fait grâce. Tu ouvres sa bouche, tu retires la pierre, tu viens avec. Et quand Pierre est parti, l'obéissance, dis l'obéissance. L'obéissance. Même quand tes yeux ne le voient pas naturellement, tu dois obéir. Amen. Quand Pierre est parti, il a retiré la, il a pêché, premier poisson, il a retiré la pièce, il est venu, il a donné ça, payer tous leurs impôts. Jésus voulait nourrir 5000 personnes. Quand il a regardé dans sa trésorerie, on lui a dit, maître, il n'y a rien dans la caisse. Jésus était pauvre ou bien était riche. Entendons-nous. Vous allez voir. Vous voyez le Jésus qu'on prêche dehors. Vous voyez le Jésus qu'on prêche dehors. Jésus, selon la pauvreté, celui qui ne mange pas pauvre, vrai faux. Celui qui n'a pas l'argent pauvre, vrai faux. Celui qui n'a pas la vie pauvre, vrai faux. Celui qui n'est pas payé son impôt pauvre, vrai faux. Ça, c'est la pauvreté selon le monde. Amen. Amen. On vient de voir que Jésus, lui, n'a pas pu faire tout ça chaud, vrai faux. Il voulait nourrir 5000 personnes, il dit que ma trésorerie c'est comment? On lui dit qu'il est dans la trésorerie, mais qu'il n'y a rien. C'est vide. Amen. L'obéissance, parce qu'il lui l'obéit à Dieu. Il ne cherche pas les choses de la terre. Dieu voyait que son cœur, il voulait vraiment nourrir ces 5000 personnes qu'il avait écoutées pendant 3 jours. 3 nuits, ils sont rentrés chez eux, femmes comme enfants. Ils avaient faim, ils avaient gêné. Rien que pour entendre la parole de la vie, la sainte doctrine, le rouleau du livre est en train de se dépouiller, s'ouvrir devant eux. Le mystère céleste. Alléluia. Jésus décide donc là à l'instant T. Amen. Amen. Père. Gloire à Jésus. Amen. Et le Père qui est fidèle à ceux qui obéissent. Amen. Il a sorti à manger, il a donné à 5000 personnes. Amen. On va regarder les apôtres. On va entrer dans ça. Amen. On va voir Paul. Paul va dire quelque part qu'il a passé des multiples jeunes forcés. Des multiples jeunes forts. Ça veut dire que quoi? Il s'est levé le matin. Il n'a pas 5 francs. Il ne sait pas s'il va manger. Il sort jusqu'à la soirée. Il ne trouve même pas un endroit où il va manger. Il dort affamé. Ce n'était pas qu'il était à genoux. Il n'était pas à genoux, il ne gênait pas. Mais c'est un jeûne forcé. Pour beaucoup d'entre nous qui avons connu les moments difficiles, une pauvreté très extrême, amen. Il est arrivé des moments où tu passes tout ton jeûne sans manger. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as pas. Tu demandes que le monde ne te donne pas. C'est pas vrai? Donc, le faux Jésus, lui, il est riche. Selon la chair. Mais le vrai Jésus, amen. On vient de voir tous ensemble que même pour enterrer notre maître, ils étaient que les disciples. On l'aurait enterré comme un vulgaire chien aussi. Mais comme le psaume avait déjà dit qu'il a eu sa place au milieu des riches, c'est comme ça qu'un prêtre, dans le temple qui écoutait Jésus, connaissait que les paroles que Jésus prononce sont vraies. Joseph de Garimathée, amen. Il a pris de l'argent pour dire cet homme mérite d'être enterré avec les riches. Il a reconnu la valeur de Jésus. Que bien que Jésus n'avait pas de l'argent pour payer sa tombe, amen, mais il mérite une tombe au milieu des riches. On attend très fort. Jésus. Pas vrai? Combien d'entre nous sommes dans les associations? Nous souffrons dans les associations de famille. Nous souffrons dans les réunions de famille. Parce qu'il faut qu'à mon deuil, mon corps arrive à Baham. À mon deuil, mon corps arrive à Bokito. Même si on m'enterre ici à Douala, au cimetière de Neupel, je vais arriver au ciel. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller dans une cotisation pour aller garder de l'argent. Pour que le jour de ma mort, on paye, on donne 300 000 pour mon cercueil, on loue une voiture, on va porter mon cercueil en haut. Je m'en fous. Amen. Amen. Tout ce que je cherche, c'est gagner Jésus. Si j'ai ces 300 000 là, je les mettrai pour que l'œuvre de Dieu avance. Et que les âmes soient gagnées aussi loin. Amen. Amen. Mais ceux qui veulent gagner la terre, ils mettront où? Ceux qui donnent la valeur à la masse Chanel, ils vont mettre où? Dans des associations, mais ils sont souvent dessus. Parfois, c'est à cause de 1000 francs de secours. Le jour de ton deuil, tes enfants même sont venus t'enterrer comme un chien alors que tu as passé 40 ans de ta vie à cotiser. C'est pas vrai? Oui. Combien étaient dans les secours?
Le jour de leur mort, on a dit que son secours n'était pas complet. Pourtant, elle a fait 40 ans d'association. On ne l'a pas amené au village. Ses enfants se sont débrouillés pour l'amener. Frère, regardez la méchanceté du diable. Mais ces gens étaient dans les églises. Ils n'ont jamais appris le message du renoncement à gagner la vie sur terre. Ils servaient un faux Jésus. Un Jésus qui donne les biens de la terre. Un Jésus qui les mélange avec le monde. Mais toi, quel Jésus tu sais? Un Jésus qui te sépare avec le monde. Tu ne peux pas dire amen, c'est fort. Quand on était là-bas, on aurait dit amen. On aurait dit, tu vas voyager, on aurait dit amen. Mais ici, tu écoutes les paroles de la vie, tu ne dis pas amen. Amen. Parce que ta chair combat la vérité. La chair aime le bien-être. J'ai mangé quoi? J'ai bu quoi? Je suis vêtu de quoi? Est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je ressemble à quelque chose? Voilà la chair. Mais l'esprit, alléluia, dit amen. Le cantique qu'on a chanté aujourd'hui, alléluia. Mépriser. Amen. Être calomnié. Amen. Amen. Rejeté à cause de ma pauvreté. Thérèse. Amen. Amen. Mais que je puisse gagner Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous parlons de fondement. Oh. Nous sommes en train de passer sur une petite plateforme qui est un fondement. Gloire à Jésus. Amen. On me dit, va lire rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup des enfants dans la scène dont ils sont en train d'être attachés en enfer, liés en enfer. Regardez seulement l'orgueil. Regardez l'orgueil dans la scène dont tu fais. Regardez l'orgueil. Seulement l'orgueil, regardez. Le Seigneur nous a parlé pour la première fois d'oie. Après, nous a parlé ici, 32 étapes. Il dit, méfiez-vous. Il dit, ne confondez pas le dépouillement avec la sanctification. Il dit, je refuse ça. On se dépouille pour se sanctifier. Mais si vous vous dépouillez pensant que ça vous amène au ciel, vous avez échoué. Je veux vos cœurs. Je veux que ma parole soit dans vos cœurs et que vous la mettez en pratique. Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez renoncer au monde. Je veux un peuple mis à part. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 10, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et c'est nous qui hériterons le milieu, la terre, 1000 ans. Bien aimé, il n'y a pas que le ciel. On a 1000 ans sur la terre. Où on va habiter avec le roi des rois. Vous savez le plus grand palais. Quand tu dis comment? Et tout dimanche, il n'y a pas la lumière dans tout le monde, le Cameroun, et tout dimanche, pas la lumière. Et les lumières étudient seules. Sont dans la quittance de tout de lumière. Amen. Frère, tu vas fuir. Ça, c'est le palais des non-terrestres. Moi, on te dit que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu éternel, va siéger à Jérusalem avec l'église, l'épouse, après le retour de 7 ans. Alléluia, pendant la grande tribulation sur la terre, il va siéger 1000 ans sur la terre. Amen, alléluia. Maman, tu as vu combien d'années sur la terre? Ta chère, là, tu as vu combien d'années sur la terre? Allez à la mort aujourd'hui, allez à la mort vendredi. Je vous donne rendez-vous vendredi si vous voulez pas la mort. Sur ceux qui on va lever là-bas, c'est la tranche d'âge la plus. S'il n'y a pas cet enseignement où les choses qui sont dites sont contraires à l'enseignement des apôtres et des prophètes, alléluia, que cet enseignement soit anathème. Si tu crois ça, bon, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons dire, pour les riches, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Si un pasteur te dit que cherche à être riche, parce que si tu n'es pas riche, tu vas souffrir sur la terre. Il est ennemi de la croix de Jésus. Parce que Jésus dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses sera donnée par-dessus tout. Mais lui, il prêche que cherche premièrement les choses de la terre. Même s'il faut faire le mal. Je connais des chrétiens qui se prostituent et qui payent les 10 millions. Je connais des gens qui travaillent à la Sonora, qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent partout. Ils font le faux, ils font la corruption, ils torturent même le peuple. Alors ils sont enfants de Dieu, ils chantent à la chorale. Il est diaconé dans son église, il est diacre dans son église, il est diacre dans son église. Quand il vient le dimanche à l'église, elle apporte la nourriture pour elle fumer. C'est tout. Quand le culte finit, elle reçoit les hommes de Dieu. Ils mangent bien. Mais personne ne peut lui dire que le travail que tu fais, parce qu'il conduit en enfer. Dès qu'elle finit, qu'ils finissent de manger, elle sort l'enveloppe. Daddy, elle donne l'enveloppe. Daddy, you are blessed. Parmi tous mes enfants, tu es béni, tu vas prospérer. Il proclame des paroles. Il ouvre comme dans la Bible, c'est 100 000. Elle
elle a commis des corruptions, des choses. Mais via l'église, elle est toujours bénie. On baisse toujours l'huile sur elle. Chaque dimanche, on baisse l'huile sur elle. Pour que sa corruption grandisse. Mais nous, chaque dimanche, on baisse l'huile, la parole sur vous. Pour que ça tape la chair. Et que tu dises que si je continue à chercher les biens de la terre, je vais aller en enfer. Mais quand j'abandonne ça. Et quand Jésus va trouver que tu as abandonné de chercher les biens de la terre, il va te bénir. Amen. Jésus dit, amen. Il faut travailler. Amen. Il a dit à plusieurs que cette année, moi, je commence à travailler le champ. Il a dit que les autres travaillent le champ, ils ont deux mains, deux bras, je vais aller au champ aussi. Amen. Il faut travailler. Quand il va faire mon champ, si Dieu trouve bon, il va bénir. Je vais voir ce qui, à chaque jour, suffit. Ça peine. C'est la parole de Dieu. Amen. Paul dit quoi? Si j'ai mangé et je suis vertu, cela me suffit. Mais quel est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui? Pourquoi il y a les guerres aujourd'hui? Même dans la sainte doctrine. Aujourd'hui, on sabote les hommes de Dieu. On s'entre-sabote. Pourquoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maman, le Dieu des églises de la terre. Il n'y a pas besoin de sainte doctrine, non? Vous voulez reconnecter à l'influence. Jésus avait Judas Iscariot. Au milieu de lui, Judas Iscariot. Il connaissait que Judas volait dans la caisse des offrandes. Il connaissait que Judas était ceci. Judas partait soit dans les réunions avec les grands prêtres. Il connaissait Judas. C'est lui-même qui l'avait appelé. Est-ce que Jésus est sorti un jour à la télé, à Facebook, à WhatsApp, Instagram, Twitter, Viber? Est-ce qu'il a mis une photo un jour pour dire Judas Iscariot, persona non grata? Est-ce qu'il a dit Judas Iscariot, persona non grata? Jamais. Parce que l'esprit de Jésus est l'esprit de paix. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de la patience. L'esprit de la douceur. Et tous ceux qui ont revêtu Christ en eux se comportent comme Christ. Amen. Amen. Papa, on dit cette doctrine, non? Fais attention. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas reçu le ministère de la dénonciation des hommes. Nous avons reçu le ministère de la dénonciation du péché. Comme ce que nous avons fait là maintenant. Ça fait trop mal. Cet évangile. Ailleurs, quand on fait les séminaires, les gens viennent tout. Comment est-ce que vous allez voir? Pendant qu'on a été pris, ils sont sortis. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est le cas de message ça. Les gens sortent. Ils sont venus bien analyser tout. Mais quand on m'a tapé comme ça, comment ça sortit? Je dis, c'est quoi ça? C'est trop radical. Ils sont durs. Le Dieu a dit, mais vous faites quoi encore derrière moi? Pierre a dit, ah, Seigneur, à qui donc irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. C'était dur. Les mots durs. Que ils étaient 72 le jour là. Ils avaient d'abord commencé 5 minutes, ils avaient mangé le pain. Et ils suivaient Jésus. Jésus a fait le mélange du pain combien de fois? 2 fois. Il y avait d'abord 4 000 épousés. Il avait fait la deuxième, il y avait 5 000. Donc quand il a fait la première fois, c'était 4 000. Après, rapidement, il y a encore 1 000 qui se sont ajoutés. Alléluia. Et quand il a encore fait le miracle du pain, les gars disent, on ne peut pas quitter cet homme. C'est le sauveur, le vrai. Il est venu résoudre nos problèmes sur la terre. Il va nous délivrer des mains des Romains. Il a la puissance. Quand il dit au démon, sort, le démon sort. Quand il va dire aux Romains, boum, les Romains vont tous tomber. Israël sera sauvé. L'évangile de la chair. Ils attendaient Jésus qui va venir faire Israël grand sur la terre. Mais l'Israël que nous savons qui est grand aujourd'hui, c'est l'Église. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Jésus a levé le message. Quand Jésus a levé le message à cette doctrine, les gars disent à Jésus que mon frère, le jour-là, ils étaient 4 000. Ils étaient 7 000 déjà. 4 028 sont partis en un seul jour. 4 028. Ils sont restés 72. J'ai bien fait le calcul, non? 4 028 sont allés en un seul jour, ils sont restés 72. Jésus sait que il y a encore des gens qui aiment le pain et le. Ils espèrent encore. Les mots durs, dis que les mots durs. Les mots durs. Et quand Jésus est arrivé, il a encore levé le message. Il dit, vous me suivez parce que vous mangez le pain et vous mangez le poisson.
Voici le vrai pain ici. Voici le vrai pain. Le jour là, les gars, on dit quoi? Tout le monde s'est mêlé dans le cannibalisme. Ils disent quoi? Ils ont dit jamais. C'était 72. Le jour là, 60. Bon. En plus, ils sont restés 12. Regardez le ministère de Jésus. C'est pas le ministère qui remplit les gens. Voilà. C'est clair. Ça ne remplit pas. Vous êtes sûr aujourd'hui, non? Je vous assure. Je vous assure. Si dimanche prochain vous le trouvez comme ça, c'est que tout ce monde s'y est sur du banal, pas le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ça va se finir dimanche prochain. Pourquoi ça arrive? Quelle est votre venue? Mais appelez mon téléphone, frère. C'était trop fort. Amen. 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 Le jour là, ils sont restés combien? 12. C'est Jésus. Parce que Jésus sait qu'il y a encore un lac. Bien aimé, tout le marché s'élève et vient. Les 10 000 euros, les 5 000 euros, les 2 000 euros. Pour voir 500 là-bas, c'est difficile. 500 dans le palier sur le marché, le temps, l'argent. L'argent sort. Quand on met dans le sac, on dit, homme de Dieu, vraiment, c'est Dieu qui t'envoie au marché aujourd'hui. Je sais que comme tu as prié là, Dieu va faire des grandes choses. On me remet l'enveloppe. Viens, on me remet. Ça sera permanent. Ça sera permanent. On sait que Dieu a fait pour moi. Ça sera permanent. Amen. Amen. Voilà les bandits que les gens aiment. Mais aujourd'hui, quand je pars au marché. Le même marché. Le même marché. Amen. Amen. Je commence à dire que Jésus-Christ est mort pour le péché. Et il nous a séparés du monde. Vous tous qui voulez gagner le monde, vous êtes une abomination en adversité à l'éternel. Jacques a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est irrité par Dieu? On dit faux pasteur. L'évangile, ça c'est l'évangile des sorciers. Amen. Amen. C'est pas le même prédicateur. Amen. Voilà frère, ça fait rire, mais en réalité, voilà ce que nous étions hier. Beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, dans la sainte doctrine, beaucoup veulent la croire comme ça. J'ai vu des gens qui me rencontrent. Ils me disent, pasteur, ma vie, ça ne va pas. Qui t'a dit ne va pas? C'est le diable. Attends,